Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo présentation de produits et je vous montre nos nouveaux Good Vibes. Alors les gars, les Good Vibes, qu'est-ce que c'est? C'est notre nouveau Spin Jig. Donc Spin Jig, c'est un leurre métallique avec une palette à l'arrière. Donc ça tourne, ça fait des vibrations. C'est hyper pratique pour pouvoir pêcher un peu loin, quand il y a du vent, etc. Parce que c'est un leurre qui est petit, compact. Moi, j'utilise beaucoup sur la perche et sur l'aspe. Et voilà, c'est un leurre que, encore une fois, Enrico, notre développeur produit, s'est occupé de ce leurre-ci. Et donc, on lui a apporté une petite spécialité. Donc le Good Vibe, c'est quoi? C'est un spin jig. Un spin jig, c'est simple, c'est un leurre métallique avec un hameçon en dessous, double ou triple, nous on a choisi triple, et une palette tournante, voilà, à l'arrière. C'est un leurre qui est assez compact, donc c'est facile d'utilisation à la pêche, vous lancez, vous ramenez en linéaire, vous faites des tirés. C'est vraiment facile quand il y a du vent, c'est aussi hyper bien utilisé. Moi j'utilise beaucoup en hiver quand les poissons sont vraiment sur off et qu'il leur faut une petite vibration là, pour les réveiller, ou même chose en été quand il fait tellement chaud qu'ils sont même chose complètement sur off et qu'une petite vibration, ça les titille aussi. Alors on a fait 3 grammages différents, donc 10 grammes, 14 grammes, 21 grammes et 8 coloris que je vous affiche ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour les voir plus longuement. On a gardé donc le design du coffee perche, donc pour ce barge, et ça nous apporte quelque chose de très très intéressant parce que vous allez pouvoir pêcher avec deux palettes. Vous voyez, on a mis une petite agrafe à l'arrière et donc vous avez la palette Colorado classique qui va vibrer assez fort et qui va aussi tirer un peu sur le leurre, et avec la bouche du perchade, ça va créer une très 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 forte vibration du corps, et donc on a une vibration et de la palette et du corps du leurre qui va vraiment qui va vibrer très très fort. Mais c'est pas tout, on a mis une petite agrafe pour pouvoir changer sur une palette feuille de saule. Pourquoi? Simplement parce que ça s'utilise dans des conditions totalement différentes, mais vous pouvez y faire face dans la même journée de pêche. Par exemple, moi je vais pêcher, comme je vous dis, la perche, voilà. Et puis je veux pêcher un cassan, voilà, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a un gros cassan, mais vraiment loin. Et avec la palette, avec cette palette Colorado, le leurre, vous voyez, les bannières, même si on essaie de détendre la bannière, on perd quand même quelques mètres. J'arrivais pas à pêcher le cassan convenablement. En mettant la feuille de saule, j'avais beaucoup moins de tirage sur le leurre. J'ai vraiment pu pêcher plus le cassan. C'est une palette que je mets aussi par exemple à la verticale en bateau, elle permet de beaucoup plus suivre le fond, ou dans les torrents quand je vais pêcher l'aspe. C'est hyper efficace sur l'aspe les gars, surtout sur les poissons éduqués, parce qu'il n'y a pas de billes dedans, donc il y a vraiment juste la vibration. Ils adorent ça, vraiment je vous conseille de l'utiliser sur ce genre de poisson. Donc voilà les coffees Good Vibe, un nouveau leurre dans la gamme LMAB, et vraiment pour moi un des must à avoir dans sa boîte au bord de l'eau. Sur ce, je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. Ciao, ciao!